te diront de quelle partie de l'Afrique proviennent tes os, avec des mots que tu ne pourras pas même prononcer. C'est vrai, ils te parleront de Chaka, le leader des combattants de la liberté bantou, de Jomo Kenyatta et de tous ces trucs. Ils vont t'asséner toute leur science, ils sont spécialistes de ça. Mais n'oublie pas qu'ils font tout ça parce qu'ils comptent en tirer un profit. Fred Hampton, 1970. Une bande de militants nationalistes zone dans Paris. Ils filment leurs occupations. Certaines sont stupides, mais d'autres présentent une menace pour ceux qui ne correspondent pas à leurs critères racistes. Putain, comment c'est moche en noir ! Regardez ! Ah, c'est moche ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est moche ! Après la diffusion de cette vidéo sur Internet, Kémi Séba, prétendant défendre les intérêts de la communauté noire, réagit et jure de punir ses skins. Je suis un individu adulte. Si je croise ces personnes, et je le dis à visage découvert, si je les croise, et si certains de mes frères, par hasard, j'ai bien dit par hasard, les croisent dans le métro, il n'y aura pas d'amalgame parce que leurs têtes sont mises sur papier, sont photocopiées, etc. Si on les croise, nous, amoureux du nationalisme, déclarons et nous répétons avec la plus grande joie que nous les corrigerons d'une telle façon. Que bien qu'ils aient le crâne rasé, leurs cheveux repousseront. 6 mois plus tard, Kémi Séba crée un parti, le NDI. Ce parti regroupe des militants nationalistes de tous bords, fédérés par la haine du métissage et des juifs. La droite socialiste, appelée maintenant Parti solidaire français, groupuscule raciste blanc, fait partie du NDI. Son chef est Thomas Verlet. Le 8 mai 2008, la droite socialiste organise une manifestation pour le retrait des troupes françaises d'Afghanistan. Kémi Séba est invité d'honneur. Je vais laisser maintenant la parole à Kémi Séba et je vous remercie de l'écouter avec attention. Dans le service d'ordre, nous retrouvons certaines personnes connues. Militants de la droite socialiste, ils sont une bande de skins, Nomades 88. Ce sont les mêmes qui agressaient les enfants dans le métro et que Kémi Séba avait promis de corriger. Kémi Séba prétend être le défenseur des quartiers. Le 28 mai 2008, des membres de Nomades 88 mitraillent un quartier de Saint-Michel-sur-Orge en espérant blesser des jeunes regroupés en bas des bâtiments. Le 24 juillet 2008, un proche de la droite socialiste, Kevin L., dit Gavin, agresse avec un ami, Nourdine Rajdi. Parce que Nourdine a selon eux une tête de musulman. C'est ce même Kevin que l'on voit sur ces images, à la manifestation, aux côtés de Kémi Séba. Les faits sont là. Kémi Séba est le tirailleur des nationalistes français. Ce sont bien les amis de Kémi Séba qui agressent des enfants dans le métro, tirent sur des jeunes au fusil mitrailleur et rouent de coups un homme car il est trop métissé à leur goût. Après tout cela, le MDI vous apparaît-il toujours comme un mouvement antiraciste ? La théorie selon laquelle tous les blancs sont nos ennemis et tous les noirs nos frères, ce qui les suppose loyaux, est une théorie stupide, propre aux esprits paresseux, et je suis généreux parce que c'est peut-être le résultat d'une manipulation fasciste. George Jackson, 1970. Je joue les cons, je reste concret, direct, c'est la guerre. Je joue les braves, je joue celui qui sait, hein, mais comme elle, la vérité sur toi, moi je la connais. Je joue les one again, je joue les cons, je reste concret, direct, c'est la guerre. Je joue les braves, je joue celui qui sait, hein, mais comme elle, la vérité sur toi, moi je la connais.